former, c'est notre devoir. Former, c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire des Kounouma News ce jour, 7e Forum International Afrique Développement, une start-up camerounaise honorée. Application du jour et offre d'emploi dans ce journal. Nous en parlons également. Voilà pour les titres. 7e Forum International Afrique Développement, une start-up camerounaise honorée. La start-up camerounaise Eclan FinTech, spécialisée dans la facilitation et la sécurisation du paiement des frais de scolarité, cofondée par Joël Eko, a été primée lors du 7e Forum International Afrique Développement qui s'est tenu du 27 au 28 juin au Maroc sous le thème Ici on investit. L'événement organisé par le groupe marocain Atijari Wafa Banque a récompensé les jeunes entrepreneurs africains et leur innovation dans divers secteurs économiques. La fintech camerounaise a reçu le 3e prix du trophée du jeune entrepreneur accompagné d'une récompense de 5 000 dirhams marocains, soit environ 6 millions de francs CFA. Et le ministre des Postes et Télécommunications, Mined Libom Liliken, qui a accordé une audience à Arabo, Youssoufa Youssoufa, Etoua Kamaha et Ngepi Nietedem, respectivement étudiants à Soptik Yaoundé et à l'université de Bouya, vainqueur de la Huawei ICT Competition 2024 en Chine. Place à l'application du jour dans ce journal emploi.cm et notre priorité. C'est un site de recrutement au Cameroun dont le but est de mettre en relation des candidats à la recherche d'un emploi et des entreprises de tous secteurs d'activité souhaitant recruter leurs futurs collaborateurs. L'emploi est son cœur de métier depuis plus de 10 ans avec pour mission d'accompagner les postulants tout au long de leur projet de recrutement jusqu'à leur finalisation. Emploi.cm est un site d'Africa Work, un groupe présent dans 37 pays en Afrique. À présent, parlons offre d'emploi dans ce journal. Maviance recherche pour le besoin de ses services un data analyst dans la ville de Douala, niveau Reiki Bac plus 5 en secteur banque, finance, assurance. Toujours à Douala, Kélan Group appelle à candidature un administrateur sécurité, système et réseau. Avoir un Bac plus 3 en technologie d'information, secteur éducation, formation et recherche. Date limite des dépôts de dossiers fixés au 10 juin prochain à Yaoundé. Hélène Keller International recherche une chargée de communication niveau Reiki Bac plus 3 dans le domaine. Date limite des dépôts de dossiers fixés à ce jour de juillet 2024. Encore à Douala, Boufozer Service appelle à candidature un marketing digital avec au minimum un BTS en communication. Avoir une maîtrise des outils et des techniques du marketing serait un atout pour le postulant. Clôturons avec Toubintech qui lance un recrutement d'un chef de projet à Douala Bac plus 5, secteur informatique, internet, télécom, à postuler en ligne à l'adresse indiquée. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Ekounouma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.